Où est la BTC? Oh oh. Chut. Oh oh. Vous l'avez pas loupé, hein? Oh, il y a un problème. Je vois pas un problème. Je vois des problèmes. Ça, je suis pas sûr que je vais rembourser. Il y a le bas qui est complètement râpé, hein. Quel bas? Le bas. À croire que vous avez poncé avec. Bah, forcément, c'est une ponceuse. Ouais. Essayez. Mais j'ai jamais non, mais... de ma vie, regardez, donc essayez. Pas, Je vous présente la vis. Allez. Vous appuyez là-dessus? Oui, à l'anglais. Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait mal? Ouais, mon doigt en dessous. Mon Dieu. Vous avez mis votre doigt en dessous? Pourquoi vous avez été à fond? Mais... Ah, tchou. C'est pas bien. Vous saignez? Ouais. Ouais, j'avais vissé beaucoup. Vous avez déjà vissé? Mais non, jamais. C'est vous qui m'avez demandé, moi je l'aurais pas fait. Ouais, mais vous avez poussé en une fois beaucoup trop fort, hein. Ouais, l'os a été touché. Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais fermer, je vais à l'hosto. Ah, mais l'os a... Montrez. Ben, je vais pas montrer, ça fait trop mal. Il y a plein de produits toxiques ici, hein. Faut pas que je reste en contact. Je vais aller ici à l'hosto. Mais c'est pas grave, ne vous tracassez pas, hein. Vous avez une mutuelle ou quelque chose? Entrez. On voit pas bien. C'est tout petit peu, là. Oui? J'ai envie quand même de la nettoyer, hein. Donnez-moi une brosse, je vous la nettoie. Allez voir ce que j'ai. Parce qu'il y a quand même un peu de respect. Quand c'est dans le cachot, on a que des problèmes. Et maintenant, toute la poussière, excepté pour le magasin. Ça a le don de m'énerver, ça. Ça, je suis pas sûr que je vais rembourser. Vous savez me la tenir comme ça? Voilà, vous la mettez sur comme ça, je sais regarder en dessous. Vous m'emmerdez maintenant, monsieur, je devrais vous aider. Voilà, je vais vous le faire. Comme ça, après ça, vous ne pourrez pas dire que, franchement, vous ne pourrez pas le dire. Regardez. Une feuille, monsieur. Une feuille. Vous avez poncé votre jardin ou quoi? Mais pas du tout mon jardin, monsieur. Ça, c'est quand je l'ai sorti pour la mettre dans ma voiture. Ça, c'est des pièces à conviction, ça. Pour l'assurance. Regardez cette bande, vous voyez qu'elle est déchirée, qu'elle est abîmée, que je suis passé sur un seul clou? J'ai déclouté parfaitement mon plancher pour bien savoir le poncer. Vous voyez que c'est bon état abîmé ou pas? Ça, c'est du jamais vu, ça. Bon, je ne pas venir ici, excusez-moi. Et arrêtez de dire à tout le monde qu'il ne faut pas venir ici. Écoutez, monsieur, je suis le premier à avoir conseillé à plein de gens de venir ici, parce que mes parents sont venus ici et étaient très satisfaits du service. Et moi, les seules fois où je suis venu ici, j'étais content. Mais la première fois que je vous vois, vous commencez à faire des histoires pour essayer de ne pas rembourser. Et vous l'avez dit d'entrée de jeu. Ah, ça, je dois vous rembourser la garantie, je suis pas content, j'aime pas ça. C'est pas normal, il faut... Mais c'est tout à fait normal. Il faut le rendre propre. Comment, en machine, alors? S'il vous plaît. En machine. Il faut le retourner avec le papier côté de façade. Mettez-le en route, hein, monsieur, s'il vous plaît. Elle est tendue. Je vous l'attends, monsieur. Si vous faites votre matériel, vous le sauriez. Voilà, elle est tendue. Elle est tendue, monsieur. Comment vous avez fait ça? Il m'a demandé comment est-ce que j'ai fait ça. Il connaît pas son matériel, ce monsieur-là. 16 000. Voilà. Là, je comprends pas. Votre ami a dit que c'était 1 600 francs par semaine. Ça, c'est le prix à lui. Moi, je fais mes prix. Sinon, chacun a sa comptabilité. Voilà. Donc, c'est 16 000 francs, 16 646 à régler en espèces. C'est pas évident à comprendre. Hein, c'est... Oui, mais moi, j'en suis pas du tout à ça. Moi, je comprends. Je viens ici sur base, on me dit, c'est 450 francs par jour. C'est ici, hein, c'est indiqué. Mais c'est ça qui coûte cher. Hein. Ça, c'est 11 000. Alors, je le prends pas. Hein, c'est un truc pour de caméra. Oui, mais je le prends pas. Vous connaissez ça, les caméras? Ouais. Vous avez jamais vu? Vous êtes mal tombé aujourd'hui, elles sont cachées, donc vous l'avez. Là, effectivement, ils avaient de quoi filmer. J'ai pas compris. Réfléchis. Non, mais même si vous expliquez, moi, j'ai pas le temps. Je vais vous rendre tout ce qui est à l'intérieur. Attendez. C'est pas mal, hein? Oui. Bon, madame, je peux vous expliquer quelque chose? En fait, ce qui se passe. C'est que c'est une petite caméra cachée.